Trouver le bon angle pour tes photos Insta est un art en soi. Oh, une petite inclinaison ici, un petit baiser là, incliner la tête ? Non, ça c'est pas terrible. Il y a quelque chose là-dedans pour pimenter ces photos ? Que puis-je faire pour rendre les choses plus intéressantes ? Nom d'une vache, je ne reconnais même pas cette fille. Qui a besoin d'un soutien-gorge push-up quand on a une paire de genoux en parfait état ? Vas-y Vicky. Tes abonnés Instagram ne sauront même pas quoi faire de tout ce sex appeal. Ellie, qu'est-ce que tu fais là ? Tu te dessines les tablettes de chocolat ? Bon, c'est clair que c'est plus facile que de faire un tas d'abdos. Si tu veux maîtriser le parfait selfie fitness, c'est le stratagème parfait. Oh, cette séance d'entraînement a l'air fatigante, en quelque sorte. Waouh ! Oh mon Dieu ! Ils ont l'air si vrais, Ellie ! Et de retour à la réalité. Existe-t-il quelque chose de pire que les abdos ? Oh mec, tu vas le sentir demain. Vais-je un jour me débarrasser de ce bidou ? Pourquoi je ne peux pas me débarrasser de toi ? Ouais, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas, Vicky ? Un jour de plus, un entraînement de plus, n'est-ce pas, mesdames ? Dommage que ces fesses ne soient pas un peu plus... galbées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de jolies fesses, hein ? Hé, ma belle, teste ça, c'est bien plus facile que les squats. Ça vaut le coup d'essayer. Il est temps de se déshabiller. Enlève tes chaussures et ton pantalon, mais garde ta culotte. Et voilà. Maintenant, enfile doucement ses collants, une jambe à la fois. Oh, ne les abîme pas. Ah, jolie et bien ajustée. Maintenant, pince un bout de tissu sur chacune de tes fesses et, quick, quick, remets ton pantalon et laisse faire la magie. Oh, hé, superbe ! Waouh, c'est une sacrée différence, mais pas une métamorphose. Mais franchement, bien joué ! Pour le prochain tour, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un rouge à lèvres et d'un téléphone. Ah oui, et un miroir de salle de bain. Maintenant, avec le rouge à lèvres, dessine un grand cœur sur le miroir. Ne t'inquiète pas, ça s'effacera facilement après. Maintenant, colorie le cœur comme ça. Ouais, entièrement. Choisis un vieux rouge à lèvres que tu n'utilises plus car il sera probablement tout aplati après ça. Combien de temps ça va mettre ? Ah, voilà. Place maintenant tes doigts sous le robinet et mouille-les un peu. Éclabousse le miroir juste au-dessus et autour du cœur. N'oublie pas de fermer l'eau. Prends ton téléphone et pointe-le vers le miroir. Ajuste maintenant le réglage de l'éclairage et mets-le au minimum. Encore plus ! Et clique ! Wow ! Qui aurait cru que ça rendrait si bien ? Plutôt artistique, non ? Oh non ! Au secours ! Venez m'aider ! Mais enfin, tu devrais savoir qu'il ne faut pas jouer sur les toits des gratte-ciel, Vicky ! Oh ! Vicky, tu glisses ! Accroche-toi ! Hey ! Tu nous as fait peur pour rien ! Pour ce tour, tu dois juste te tenir devant un ventilateur et te placer sur une grande photo de bâtiment. Et ensuite, fais un petit numéro. Nous sommes tous passés par là. Glandouillés à la maison un vendredi soir, scrollant sur Instagram quand... Oh, est-ce que je trouverai un jour l'amour moi aussi ? Ou suis-je destiné à passer ma vie sur le canapé avec mon chat pour toujours ? Ne t'inquiète pas Ellie, on est là pour toi. Montre à tous tes abonnés que toi aussi tu adores être blotti dans les bras de ton nouveau boyfriend. N'aie pas peur d'exagérer un peu. Ouais, elle était bonne celle-ci. Je savais que ce type me disait quelque chose. C'était Vicky. Oh, quelle bonne amie. Waouh, la dernière photo semblait vraiment réelle. Flippant. Oh, regarde ce joli couple. On dirait bien qu'ils reviennent tout juste d'un rendez-vous torride. Et jolie chaussure au fait. Eh, hey, c'est juste toi Vicky. Tu arbores fièrement le célibat. C'est la mode des mini-hauts et tu sais ce que ça veut dire ? Que tu dois arborer une posture parfaite et un ventre plat en toutes circonstances. D'après Instagram en tout cas. Bon sang, as-tu au moins mangé aujourd'hui ? C'est mieux comme ça. Toutes les filles ont des bourrelets au niveau du ventre, ok ? Alors, n'en aie pas honte. Mais ouais, ne poste peut-être pas ces clichés. Cette vie de jet set alors ?
c'est parti pour de nouvelles vacances dans un endroit fabuleux. Waouh ! Tellement canon ces nuages ! C'est un coucher de soleil ? Incroyable ! Hé, attends une minute ! Tu es juste à la maison en train de regarder à travers un vieux siège de toilette. Cela donne un tout nouveau sens à l'idée d'un staycation, n'est-ce pas ? Waouh ! Tu as déjà 20 likes ! Les bonnes poires ! Oh, regarde ses cheveux ! Ses coupes sont trop belles ! Oh là là, ces coupes de cheveux sont beaucoup plus cool que la mienne. Si toi aussi c'est ce que tu penses, pas de panique, un petit coup d'éclat arrive. Une fois que tes cheveux sont assez humides, prends une vieille paire de collants comme cela. Tu vois comment on peut les étendre? D'un seul geste, fais-toi un serre-tête comme ça. Mèche par mèche, enroule tes cheveux autour du serre-tête, tout comme Ellie le fait. Veille à enrouler la mèche plusieurs fois, passe ensuite à la mèche suivante. Continue jusqu'à ce que tous tes cheveux soient attachés autour. Sois patiente, ça va être vraiment cool, je te le promets. Waouh, c'est moi ou ça a l'air super avant que ce soit terminé? Ensuite, sèche à l'air chaud pendant que tout est encore enroulé. Le sèche-cheveux doit être chaud, mais pas trop chaud. Il ne faut pas brûler tes cheveux. Tes cheveux sont secs? Bien! Quand tu as l'impression que tes cheveux sont presque totalement secs, tu peux commencer à défaire les mèches de ton serre-tête. Oh, regarde ces belles vagues! C'est top! Pourquoi payer une fortune au salon alors qu'on peut obtenir une coiffure super stylée faite maison? N'oublie pas d'enlever tes collants! Et si on te disait que tu pouvais changer de visage, sans passer par la case de la chirurgie esthétique? Il te suffit de prendre un crayon dans chaque main et de les enfoncer dans les joues comme ça. Bien sûr, c'est assez bizarre sur le moment, mais attends une minute. Waouh, Vicky, on dirait de vraies fossettes. Check it out, girl. C'est incroyable. Super mignon, et même pas besoin de passer sous le bistouri. On devrait parler aux Kardashians de cette petite astuce.